vas-y. Partie 4, Prêt et en main. démarrer, vas-y. C'est parti. Allez, try me, try me. Un coup de couteau pour toi, Odéon. Spra esquive de la vipère. Il te rate lamentablement. Le second, Odéon te jette un coup d'œil, mais tant pis, il avait déjà armé une flèche et il va tirer sur Marion. Non, pas Marion. Tu peux pas. Alors, j'ai déconcentré, hein, c'est ça? Alors, ça passe le bouclier, ça? Ben ouais, parce qu'il a 30 à moins 10, ça fait 20, donc ça passe. Aïe, bon bah. Et l'honneur de Grégoire là, attention. Oh, attention. Non, mon serment. Attention, il avait moins 10 déjà de l'intimidation, non? Non, ça lui avait fait perdre sa. Ah, ça lui fait perdre sa concentration. Ça va. Tu prends que 5 dans la jambe, ce qui devrait être. Ça rebondit. Oui, ce qui devrait être. Enfin, ça ne s'enfonce même pas, quoi. C'est juste le. En fait, je me prends juste le bois qui me fouette la jambe, quoi. Ça fait un peu mal, mais c'est pas. Une rapide égratignure et visiblement un équipement à réparer plus tard, quoi. Voilà. Tu vas avoir un bleu. Oh non, il a un bleu. Tu n'es plus sous le feu ennemi. Je vais vite fait faire jouer eux. Odéon, alors que tu étais assez heureux de te retrouver face à deux personnes qui mesurent à peu près 1m40 et qui te regardent pas et qui sont au bord d'un précipice, tu entends un gros râle derrière toi et tu es assez surpris de voir deux maraudeurs courir le long du rempart et se diriger à toute vitesse vers ta tourelle. On les a oubliés. Vous avez trois larbins qui commencent à remonter la ruelle dans votre direction. Vous constatez que celui qui a un petit marqueur vert, il porte une sorte d'épée à deux mains. Et celui qui est derrière, lui, il a plutôt une capuche et un bâton dans la main et fait des gestes assez étranges de ses mains. Tout ça n'inspire rien de bon. Finalement, le bruit de cavalcade fait de plus en plus fort. Et à votre plus grand désarroi, Grégoire, Hans et Jonah, vous voyez apparaître deux cavaliers norse avec des demi-lances dans la rue. Position défensive! Odé, tous dans la ruelle! Position défensive! C'est au tour de Odé, on redescendait! Alors merde, je pars descendre. Alors moi, j'ai une question, est-ce que, étant donné qu'ils sont plus petits que moi et donc sans doute moins lourds, est-ce que je peux les balancer du haut de la tour? Avec un test de capacité de combat à plus 10, oui. Pour le premier, parce qu'ils sont quand même deux sur toi, mais t'es un pro de la lutte et ils sont plus petits. Donc pour le premier, je te donne plus 10 en capacité de combat et tu peux le balancer. Il n'en est pas question. Un chevalier n'a pas le. Est-ce que tu peux le balancer sur le cavalier, s'il te plaît? Est-ce que je peux le balancer sur le cavalier? Non, il va tomber à une case de la tour. Attends, je fais un jet. Il faut que je le rate celui-là. Mais c'est une mauvaise façon de faire un 1, dommage. Ah ouais, d'accord. Dommage. Et oui. Il tombe d'une dizaine de mètres, donc ça doit faire 1 des 10 plus beaucoup. Attends, laisse-moi juste regarder. Kit du meneur de jeu, dégâts de chute. 10 mètres, ouf, 1 des 10 plus 7, sans armure. Crac. Vous entendez un gros splatch, tu es à nouveau éclaboussé du sang qui n'est pas le tien, Hans. Et toi, tombe un jeune homme chétif à la peau couverte de pustules. J'avais pas besoin de prendre du rouge bordeaux pour la filtration, finalement. Nous, les chevaliers, n'utilisons pas de projectiles. C'est un Marion. Attention en bas, il y a un deuxième qui arrive. Ah, mais c'était toute mon action, ça? Alors, moi, Marion, j'entraîne le paysan dans la ruelle. Et je fais signe aux autres de se grouiller. Parce qu'on va ramener toute la ville. Aidez-moi! Aidez-moi! Deux maraudeurs arrivent sur ma position! Mais justement, barrez-vous! Un chevalier ne prend pas la fuite, t'as toujours pas compris. Arca! Ah, c'est lâche! Arca, je vais devoir t'expliquer comment ça marche, un chevalier bretonien, un jour! Marion, si tu fais une action de course, tu peux aller beaucoup plus loin. J'imagine, mais disons que il faut quand même couvrir un petit peu la retraite pour que les autres arrivent. Oui, alors, je te laisse te placer où tu veux dans la ruelle. Le paysan sera protégé, mais voilà. Ok. Tu te cales ici, tu te retournes l'air inquiet en te demandant si tes compagnons ont bien entendu tes trois prérogatives. Bon, voilà. Comme je suis le pro des recrues stratégiques, voilà comment on va faire. Bon, moi une mercenaire. C'est à toi d'ailleurs, c'est à toi Xéa, donc montre-nous comment tu fais. Donc moi une mercenaire, on va se coordonner pour descendre en même temps, Zakrap Hans en même temps pour le faire descendre. Et ensuite Zona, suppose que tu nous suis, et ensuite on va essayer de se mettre à peu près ici
avec Zona que je mets derrière, que je mets ici, moi ici, donc on se met comme ça, ouais, et Hans te met là. Ou Zora, tu te mets là. Ah, ah, j'ai mis sur l'écran. Bon, j'ai mis le doigt sur l'écran. Bon, voilà. Comme ça, c'est parfait. Plutôt, Zona, tu te mets à ma place et moi, je te mets à la tienne. Voilà. Pour pas que Odéon ait sa retraite coupée par les cavaliers. C'est plutôt malin, effectivement. Mais bon. Ah, mais moi, je vais avoir la retraite coupée par eux, en fait. C'est pas par les cavaliers, le problème. Vous voyez Grégoire qui commence à donner des ordres à droite à gauche et qui, effectivement, vous dit de. Vous disposez en ligne, il vous bouscule un petit peu, il se place ici. Je vais te considérer ça comme une demi-action pour chacun de tes personnages, Grégoire. Est-ce que tu souhaites faire autre chose? Et bien maintenant, position défensive, c'est une action, c'est ça? Alors, il y a position défensive, c'est une action complète. Je vais l'autoriser, je te l'autorise. Bon, bah, considère qu'on se met épée en avant, bouclier levé comme les Vikings. Formez le bouclier! Et si on se prend une charge de cavalier, là, on n'est pas... Là, vous allez être content du... La dame est avec nous. On tiendra. On a... Vous êtes complètement stupide de rester alors qu'il y a des cavaliers qui arrivent. De toute façon, même si on... Moi, j'arrive pas à jouer encore. Hein. C'est Gauthier. Non, c'est Gauthier qui joue juste pour l'instant. Pour l'instant, il bouscule tout le monde et il se place en position défensive. En gueulant. Ce que j'ai autorisé. De toute façon, même si on le voulait, on ne peut pas atteindre la ruelle. Derrière le tas de débris. On ne peut pas laisser... Jonah. Ouais, alors, petite question, le tas de débris, ça va déranger les cavaliers quand même? Ça dérangerait une charge de cavalerie? Les chevaux qui passeront sur les rochers seront sans doute dérangés, oui. C'est pourquoi tu crois ils peuvent charger quand même, là? Là, ils vous voient, ils pourront charger, oui. Un, deux, il y a deux cases minimum, vous êtes à moins de cases que 8 qui sont la charge du cheval, donc c'est bon. Putain, il faut deux. Dans la merde. De toute façon... Mais là, oui, là, Jonah, toi, tu as quelques instants pour réagir. Qu'est-ce que tu fais? Odéon, vous voulez de l'aide? Ah oui, je veux bien, oui. Envoyez Hans, il faut pas briser la formation. Ah, la foutre. Allez, Hans, vas-y. Cours, hein, mets-toi là. Allez, Odéon, dépêche-toi. Je cours et puis je monte en devant toi, en fait. On va les tenir. S'ils viennent à la tour, on les tiendra comme ça. Ah, tu peux pas arriver jusque-là. Hein. En courant, si tu fais une course? Mets-toi éventuellement là pour couper, pour éviter d'avoir la retraite coupée. Mais non, parce que là justement ils sont obligés de monter pour venir nous voir. Oui, là ils sont dans un couloir, on les chope dans un couloir. Ouais. Par contre, tu pourras te battre que seul. Hein. Bah on se met là alors, on attend qu'ils viennent. On se met bon, Hans, tu te mets là s'il te plaît. Okay. Ouais, je pense. Écoute, je ressemble à la rue, t'es fou. Ah, c'est des chamans en bas là. Oui. Il y a un chaman, enfin on sait pas officiellement. Il y a un mec qui a pas l'air de se battre au corps à corps et vous en avez entendu parler de ces gens qui font des gestes avec les mains et qui ont l'air un peu mystiques. Vous vous dites que lui est utilisateur de magie, justement. Ok, moi je me mets là, moi, avec Odéon. Donc, par une course très rapide, tu grimpes sur la tourelle, tu passes juste devant les yeux des Norse ébahis qui voient ta célérité incroyable. c'est à Hans. Moi je me fous dans la ruelle avec alors je connais pas la distance encore. Je suis le seul ici qui essaye de se la jouer un peu chevalier, c'est-à-dire les chevaliers ils non, sont mais moi je suis chevalier pas le mercenaire, il va se dire. Je suis pas cher à canon d'infanterie justement. 1, 2, 3, 4, 5, tenez la formation, mais je suis tout seul. Ah mon pauvre Grégoire, tout le monde t'abandonne quoi. Non, il reste là. Est-ce que le mercenaire t'abandonne aussi? C'est une bonne question. Qu'est-ce que tu dis? Non, le mercenaire, il reste pour l'instant. Oui, il reste. De toute façon, le plan, après, ça va être d'aller par là. Ne t'inquiète pas, c'est pas du tout. Excuse-moi, j'ai reculé. Que t'es là, tu as fait 5 cases. En gros, si tu te mets là, ça te fait une demi-action seulement. D'accord, bah, je me fais... Attends, je réfléchis un peu, parce qu'il y a les bouches d'égout là. Il y a les bouches d'égout qui t'appellent, quoi. J'adore. Alors, truc, vu que moi j'avais pas fait énormément d'actions, j'en profite pour demander aux paysans s'il n'y a pas un coin où on pourrait se réfugier, enfin faire une retraite. Alors, pendant que Hans réfléchit à ça, Marion, fais-moi juste un petit dessin. Et Hans, juste après le dessin, tu me dis ce que tu fais. D'accord. Un dessin. Le paysan te dit. Alors, c'est pas vraiment un paysan, on va plutôt dire que c'est un citadin, vu le sort que tu as fait. Et il dit je connais quelques ruelles. Nous pourrons les semer si nous avons des poursuivants, mais nous devrions partir très vite. Je me mets là. Ouais, bah, je crois que... En fait, franchement, si on était avec Buka, je crois qu'on aurait déjà dû perdre depuis longtemps, nous donne la dame, depuis longtemps, tellement... Et là, t'entends...
Non mais attends, deux cavaliers, mec, on va se faire défoncer, tu rigoles ou quoi? Et puis notre objectif, c'est pas ces cavaliers, c'est le donjon, donc... Oui, bon, mais un chevalier ne fait pas un combat. Si je ne fais pas de combat, je me repris progressivement. Voilà, et je me mets en position défensive, en fait, vu que j'avais une demi-action. Ah, tu peux pas, c'est une action. Je l'ai autorisé à Grégoire parce qu'il a fait un baroud d'honneur, donc je lui ai autorisé exceptionnellement. Un baroud d'honneur. Pas un baroud d'honneur, une. C'est au Norse de jouer, messieurs. Bon, bah allez, c'est parti. Je vais essayer de faire ça. Regardez, on va commencer par eux. En plus, de toute façon, moi, tant que je protège Marion, la dame de mes pensées... Ah, non, enfin... Le premier Norse se jette sur toi, Odéon. Il te charge, mais il est en contrebas et vous êtes prêt à les recevoir. Du moins, Jonah, lui, était plus ou moins prêt, donc je vais juste pas lui donner son bonus et il va t'attaquer, Odéon. D'ailleurs, tiens, on peut pas faire par là. Allez, viens. Il te rate, le maraudeur qui est derrière... lui emboîte le pas et lui sort un javelot. Une fois qu'il arrive derrière son collègue, il te le jette dessus, Odéon, à bout portant. Il part sous la tête de son collègue. Alors attends, c'est arme. Il va faire un sang, il va le jeter dans la tête de son copain. Il est tombé. T'aimerais bien, hein. Ah, c'est ça. Non. Allez, le javelot passe largement au-dessus de vos têtes et retombe plus loin dans la ruelle. Ça, c'est les actions pour ces deux-là. Pas d'armes de jet. Le sol tremble alors que Grégoire, tu as un flash. La dame te dit tiens bon. Et finalement, tu es percuté par deux cavaliers. Tiens bon. Mais tu crois qu'on va pas te défendre? Allez, d'abord, il doit faire lancer d'attaque. Ouais, tout à fait. Donc, ils vont faire celui de gauche sur toi, il aura aucun bonus à cause des débris. Celui de droite sur ton mercenaire, il aura son bonus classique. C'est parti. Ce sont des armes rapides, si tu fais une esquive ou une parade, tu auras moins 10. Bon, ça c'est pour toi, il te rate. Oh, ça, c'est raté. Voilà. Donc, attends, laisse-moi faire la description. Et le Nord tombe dans les goûts. De tout à la perche. Vous voyez le cavalier qui court un peu trop court. Et sa monture à pleine vitesse, qui doit bien faire dans les 100 kilos, pose son sabot sur la grille d'égout qui vole d'un seul coup. Le cheval qui disparaît la tête première dans le cul, majestueux, horrible, magnifique, alors que la créature a les os concassés et meurt presque sur le coup. Alors, le cavalier fait magnifique. Une roulade et il perd sa lance à terre. Il est ouvert, c'est là. Ça fait vraiment cartoon, c'est ploup. Il est sonné pendant un tour. Oh putain, je crois que je vais le faire. Ah, mais il est toujours en bas? Non, le cheval est mort, le cavalier a roulé à terre. Ah, il est sonné, d'accord. Moi, je pense que c'est la dame qui a... magnifique tenue de position, Grégoire. C'est au larbin. Le larbin qui est ici, il va dégainer son couteau, il va attaquer Odéon. Vas-y, j'en ai vu des plus coriaces. Esquive. Ah, mais j'avais pas vu l'émission, j'aurais pu l'attaquer. Ouais. Ben oui. Non, t'avais couru. Vous voyez un premier larbin qui court. 1, 2, 3, 4, 5. Mais bon, Odéon, il fait de la capoeira depuis tout à l'heure. Capoeira. Oh, tiens, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ah, ouais, d'accord, ouais. Motivé. 4, 5, 6, 7, 8. Et le dernier, 1, 2, 3, il va faire. Vous voyez, le chaman, il se met ici et il commence à agiter les bras. Qu'est-ce qu'il va lancer, lui? Qu'est-ce qu'il a? Excusez-moi. Missile magique, portée 36 mètres. Ses doigts s'éclairent d'une lueur verdâtre. Il les pointe vers Grégoire en hurlant. Un éclair d'énergie commence à se matérialiser au bout de son doigt. On va faire un jet de focalisation. Hop. Il rate sa focale. Il est vraiment protégé par la dame, là. Hein. C'était chaud, ouais, c'était chaud. C'est une lueur verdâtre semblable à des flammes. Donc il n'aura aucun bonus. Et il a un seul dé. Hop. Il y a combien de dés du chaos avec cette lune, là? J'en sais rien. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, mais merci de me le rappeler. Ben, pour lui, écoute, pour lui, aucun. Difficulté 9, test. Ouais, il rate. C'est raté. Ah non, c'est sort réussi. Test d'un... Ah oui, il a fait 9, il devait faire plus que 8.
Grégoire, une flamme t'embrase. Tu prends 1 des 10 plus 4 points de dégâts qui ignorent ton armure. 8. Oh. Et test d'agilité plus 20% pour éviter de prendre feu. Ça n'ignore pas ton armure, Grégoire. C'est 1 des 10 plus 4 qui n'ignore pas l'armure. On va le considérer dans le corps. Il y a des AUC. Le Z a déjà été compté. Touché à la tête. Ah oui. Il y a 8. Et un test d'agi, non ? Je crois que ton charisme va prendre un coup. Donc tu prends 8 dans la tête, Grégoire, et tu fais un test d'agilité pour éviter de prendre feu. Bon, allons-y. Heureusement que j'ai mon plus 20%, plus 20%. Plus 20, oui. Je vais réussir. Oui. Allez. Tu peux relancer l'agi. Heureusement que t'avais ton... tellement bien la tête. Ah mince. Comment tu sais que c'est plus 20%, c'est où que tu vois écrit ? C'est écrit dans la description du sort. Je n'apprendrai rien de cette blessure. Ben, c'est la tête dure. De toute façon, on est obligé de rester maintenant. Tu arrives à éteindre les débuts de flamèche. Par contre, est-ce que 8 dans la tête, ça t'a fait mal ? Ça t'a fait mal un peu, non ? Un petit peu. Il avait le home, non ? T'as toujours ton casque, donc... T'as plus un 7. Ça, il a plus un 7, ça, il a pris qu'un dégât. T'as pris un point de dégât, très bien. c'est la fin du tour des méchants. On recommence par Odéon. Alors, étant donné qu'ils sont dans les escaliers, est-ce que tu considères que si je fais tomber le premier avec un coup de pied, par exemple, il tombera sur le deuxième et dégringoleront ? C'est jouable, ouais. Il y aura des tests de force à faire, et puis suite derrière, un petit test d'agilité pour esquiver son copain, mais c'est jouable. Bon, allez, je tente. Je fais « Jonah, couvrez mes arrières avec le petit haut, là. » Je m'en occupe. Je vais te faire ça avec un test de capacité de combat à plus 10. Vu que t'es en hauteur et que tu maîtrises un peu la lutte. Et le surnombre, non, par contre. Ben, si tu demandes à Jonah d'assister sur l'autre, t'as plus le surnombre. Ah oui, exact. Voilà. Bon bah, tu dirais... Là, il est rentable, hein. Un coup de pied, il bascule par-dessus la barrette. Il tombe et se fracasse le crâne. Attends, je refais mon test pour voir si j'apprends quelque chose de ce magnifique jet. collègue. Oui. je le rappelle une dernière fois, pour vos caractéristiques, vous ne pouvez pas gagner plus de 5 points de cette façon. Hein. Oui, mais c'est 1 à chaque fois, c'est ça. Voilà, ouais. C'est ça. Une fois que vous êtes arrivé à 5, ça ne montera plus jamais parce qu'après ça fait des persos 3. Oh, le vieux chassé dans la tête. Est-ce que ça impressionne son pote ou pas en vrai ? Son pote, ça l'impressionne pas vraiment parce qu'il en a vu des pires. Par il a reculé de 2 mètres et il est tout en bas des escaliers même. Attends, tout à l'heure quand j'ai fait crochetage, il fallait que je mette juste 5 dans talent, 5 dans divers. Non, on gagne 1 point là en point, capacité. Ouais. Alors... toi c'était différent parce que c'était une compétence. Je pense que tu as bien fait, t'as fait tout ce qu'il fallait. Hans. Alors par contre, on est d'accord que ça c'était une demi-action. c'est une attaque simple, oui, demi-action. Alors, est-ce que je peux... je suis au corps à corps de lui, donc est-ce que je peux faire la même sur lui ? Et malheureusement, tu n'as le droit de faire qu'une seule attaque... Non, j'ai deux attaques par tour. Ouais, mais il faut que tu fasses une attaque rapide pour faire les deux en même temps. Et on va dire qu'effectivement, tu aurais pu faire une attaque rapide, mais dans ce cas, tu le frappes à coup de pied, lui aussi. La même chose. Pour le faire tomber, c'est possible ou pas ? Ouais, par contre, t'as pas le plus 10 cette fois, donc capacité de combat pure. T'as pas le plus 10 parce qu'il est pas en dessous de toi. Dommage. Tu lui mets un violent coup, il percute la rambarde mais ne tombe pas et c'est sans effet. Par contre, étant donné que tu t'es débarrassé du mec qui était sur toi, Jonas, s'il l'attaque, il aura le surnombre. D'accord. Tout à fait, d'accord. C'est à Marion. Bon, j'ai pas sorti mon épée encore. Vous savez, je gueule aux autres de se replier. Comment tu veux qu'on se replie alors qu'ils sont quoi contre nous ? Vas-y, il faut les combattre. En plus, il y a l'autre qui est là, vous devez assister. En plus, je crois que je vais pousser des ailes la prochaine fois, je vais faire une belle action, vous allez voir. Marion, tu entends le paysan qui commence à te tirer par là, mais il dit « par ici, chevalier !» Il commence à partir dans les ruelles. Il a son casque. Je le perds pas trop de vue, du coup. Ouais, tu résistes un petit peu, tu restes dans la zone, pour l'instant alors, tu restes... Je le retiens quand même, hein. J'ai dit attendez-nous parce que... Ça marche, tu retiens un peu ce prisonnier, tu vois derrière toi Hans qui dresse son bouclier alors qu'un cavalier s'écrase lourdement au sol. Marion, comme pour l'instant tu n'as pas fait grand-chose, si tu as envie de faire encore un petit truc dans le coin, tu pourrais. Non, je laisse Hans s'occuper du cavalier, mais moi je vais clairement comprendre aux autres qu'on n'est pas sur le combat, mais sur la retraite. On n'a pas le choix.
On va passer maintenant sur Grégoire et son mercenaire aux prises avec un champion larbin, un larbin et un cavalier norse. Bon, un champion larbin. Je ne suis pas dans Vervold. Bon, de toute façon, moi, j'ai pas le choix. Si j'essaie de m'enfuir, je vais me prendre 3 attaques d'opportunité. Il faut au moins qu'on en tue un. Donc, il faut qu'on tue celui-là. Pas forcément, tu peux faire un désengagement. Tu peux faire un désengagement, Grégoire, tout à fait. Après, ils continueront éventuellement à vous poursuivre. Hein. À moins qu'ils tombent dans les plaques d'égout. les pièges de la map. Ouais, mais c'est un goulot d'étanglement monstrueux, la ruelle. On aura beaucoup plus de facilité à les contenir. Bien sûr. Le cavalier peut pas nous suivre, par exemple. Le cavalier dans la ruelle, il aura beaucoup de mal. Allez, Grégoire, tu choisis maintenant ce que tu fais. Je pense qu'on peut tenir, et puis Saman, il va nous bombarder, il faut qu'on s'en débarrasse. Et puis il faut qu'on tienne, sinon eux aussi, sinon eux ils vont se faire avoir, ils vont se faire contre. Allez, go. Allez, deux attaques sur lui. Sur le cavalier ? Oui. C'est parti. Je suis un chevalier, je me bats jusqu'au bout. Au moins je peux tenir encore un peu. Tant que je peux tenir encore un peu, je me désengage pas. Un bonus particulier, c'était une attaque rapide que tu fais. La première touche, il va tenter de la parer avec son bouclier. Où est-ce que c'est ? C'est la parade. Hop. Et ton premier coup d'épée, même s'il est bien ajusté, rencontre le bouclier de l'adversaire. Il te reste une attaque, Grégoire. Ah merde. Dommage. Est-ce que tu as de la chance ? Qu'est-ce qui se passe ? Je garde mon dernier point de sens. Ça marche, tu le rates malgré tes assauts ravageurs. Le cavalier se prouve être un adversaire redoutable pour toi. Ton mercenaire, Grégoire. Il va attaquer le champion. Il frappe le champion, c'est une cible bien plus simple. Vas-y, fais-moi tes deux attaques. À la différence des autres larbins, le champion il a un casque en maille, c'est tout ce que ça. La première attaque rate de ton mercenaire. Mercenaire fatigue un peu. De toute façon, ça porte la poisse, ton creux, je te l'avais dit. Allez, c'est plus T'as fait la deuxième, c'est quoi là tout ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe ? C'était juste pour prouver que. Il a raté les deux. Ça prouve juste qu'en fait, peu importe que j'utilise, ça passe pas. Voilà. Ça marche, voilà. La prochaine fois, t'auras qu'à juste me dire ça passe. Comme ça, c'est bon, ça marche. Je fais un 1. Vous battre dans les débris est assez difficile, visiblement, et même ton ami mercenaire commence à un petit peu accuser le coup. Ouais, bon. 7 à, si je ne m'abuse, Jonah. Ok, moi je me déplace là et je le tac. La plaque rapide, faut pas se déplacer, c'est ça. Hein. Et ouais, c'est action complète, malheureusement. Ok, bah écoute, j'attaque. T'as plus 10. Ouais, tu vas prendre un petit plus 10, et je vais même te mettre un plus 15 parce qu'il commence un petit peu à être terrifié, ce garçon. Le larbin norse. C'est pour à droite. Tu fais toujours le bombardement ou pas Jonas, est-ce que tu connais le golf hein. Pourquoi parce qu'avec la hache, là, ça. Ça marche pas le dégât. Ah si, c'est bon. Tu fais 8 dans le bras, où il a pas grand chose, il est grièvement blessé, le coup lui fait lâcher son arme et entaille largement sa chair, il est vraiment pas en état de se battre au prochain tour. Il va sauter du 8 dans le 10. Moi j'aimerais, au prochain tour je le soulève et je le jette sur le chaman. C'est à Hans. Hans, tu es face à un cavalier norse dans les vapes. Bon, je crois que tout le monde sait ce que je vais faire. Hein. Oui, tu vas lui crocheter le casque. Je m'avance et je vise bien la tête ou la gorge, je le tue en un coup. Tu le tues en un coup, alors je vais juste te demander un des 100, faut pas que tu fasses 0-0. 100. Pas mal. Excuse-moi, tu arrives au niveau du Norse, il ouvre à peine les yeux au moment où tu es devant lui et tu lui dis « La dame te passe le bonjour !» Tchac ! Il est mort. Monumentale erreur. Bon, allez, maintenant, on va tenir le soc et ensuite on va se replier, ou pas. Attendez, il y a peut-être d'autres renforts qui vont arriver là. On va y aller. C'est au Norse de jouer. Allez, on va tenir. Le Norse grimpe les marches, il est à peine perturbé par la chute malheureuse de son compatriote, se charge Odéon de toutes ses forces avec son... Qu'est-ce qu'il a ? Ah non, attends, je prends le mauvais. Il avait un javelot, je crois, dans les mains, non ? Tout à l'heure, il avait le javelot, là, ouais. On va dire que là, maintenant, il a sorti sa hache, et c'est avec elle qu'il te frappe. Il te touche.
Je peux esquiver quand même ou pas? Esquive ou parade, t'as rien fait pour l'instant à ce tour, donc t'as... il te reste l'un ou l'autre. Esquive ou parade... Parade, c'est quoi déjà? Parade, c'est, capacité... c'est bouclier, c'est capacité de combat plus 10, pour résumer. Capacité de combat plus 10, ok. En fait, on aurait vraiment dû la garder, c'est le bannière. En fait, on monte en plus. T'aurais dû demander à Christian, non, non, pas moyen. Tu bloques sans mal sa première attaque. Je vais passer sur le larbin qui va attaquer Grégoire avec un plus 10. Et il fait une attaque à outrance, donc il te met un coup de couteau à plus 30. Mais c'est pas faux. Oui. Il te rate. Visiblement, les larbins feraient mieux de prendre des cours. Ultra instinct. Fais tomber le champion dans la bouche d'égout. C'est clair. Le cavalier te met un coup de demi-lance brutal. Donc il a plus 20, tu auras moins 10 pour esquiver ou parer. D'accord. Il te touche dans le bras. Mais je vais parer, je vais y arriver. C'est une arme rapide en plus, donc t'as... Ouais, c'est une parade classique. T'as pas le plus 10 du bouclier parce que c'est une arme rapide. Aïe. Tant pis. Flash dans le bras droit. Tu prends 7. Tu prends 7 dans le bras. Bras droit. Bon, combien du haut, bras droit. Tu dois pas faire grand chose, j'imagine. Non, pas grand chose. Je termine par le larbin, le champion, qui lui va te frapper avec un sabre. C'est un gros sabre qui est pour lui équivaut à une sorte d'épée à deux mains. Je vais lui donner juste un plus 10 à lui. Ouh, il te rate de justesse. Tu sens l'acier froid frôler ta joue. Le chaman, il va terminer toujours en te visant, malheureusement, Grégoire, étant donné que tu es le... Quoique, lancez-moi Odéon ou... Ouais, quoique, non, il vous voit pas. Non, il peut pas vous voir. Alors, ce sera pour toi, je suis vraiment désolé, Grégoire. Il peut pas vous voir à cause du rebord, en fait. Qu'est-ce qu'il a dans l'inventaire? Il a déjà fait les flammes et c'était assez amusant. Vas-y, un sort de mort. N'oublie pas que plus il fait de sort, plus il risque d'attirer ses coups. Et puis il a Morgrek aussi, il faudrait que tu comptes, il y a du chaos. Ouais, alors il va avoir un bonus, donc il va lancer 3 dés, mais il n'en gardera que 1. Alors attends, il va faire... Ah, il a pas grand chose quand même, il va refaire une flamme sur toi. Il va tenter sa foca. Il rate sa foca, il va tenter flamme vengeresse. C'est sorcier Alors ce que je vais faire, c'est qu'il va lancer flamme vengeresse avec... un seul dé, mais je vais relancer un D10, et si le D10 est égal au dé qu'il a fait, il se prend un truc du chaos. Bah, lance 2 D10, alors. Attends, hein. Non, parce que comme ça, je vois tous les résultats. Voilà, c'est sûr. En plus, il a fait 1, donc c'est raté. Je lance un D10, si je fais 1, non, c'est bon. Encore une fois, tu vois un éclair de flamme qui part de sa main, mais pas du tout ajusté, et virevolte et disparaît dans le ciel. C'est la fin du... Attends, c'était une demi-action seulement. 1, 2, 3, 4, 5. Il a l'air de vouloir se battre. Il approche de toi. C'est à... Odéon. Alors, moi, j'imagine que je suis aux prises avec lui. Tout à fait. Et je peux tenter de le faire tomber encore. Tu retentes la même chose. Donc, un bon coup de pied. Ouais, j'ai 2 attaques, donc on va essayer, ouais. Vas-y, tu attaques rapide à coup de pied plus 10. CC plus 10. Oui. Ouh, ça passe. Alors lance-moi un des 3. 1, 2, 3. Il roule en boule dans les escaliers. Il perd 2 points de vie. Il est sonné pendant 1 des 10 divisé par 2. 1 tour. 1,5, ça fait 2. Et je peux. Donc là, il est sonné, c'est ça? Ouais, là il est sans défense, mais il est loin de toi malheureusement. Et je peux foncer sur lui avec ma deuxième demi-action. Avec ta deuxième, t'as fait une attaque rapide, tu m'as dit quand même. Hein. Ah, et donc même si la deuxième ne peut pas s'exécuter, ça prend l'action. Ouais, je t'autorise la suite de ton attaque rapide sur le larbin, mais ce fera sans aucun bonus. Ok. Un jet de capacité de combat pur. Non, il est trop petit ce larbin. Hein. Tu passes un coup de pied, il fait un petit pas de côté. Hop. Il pourrait pas plutôt être celui-là. Au prochain tour, parce que je peux pas y aller. Non.
Est-ce que Marion, tu acceptes de jouer après en dernier pour voir ce que les autres font? Oui, ouais, y a pas de souci, moi de mon côté. Ok, alors je vais proposer à Jonah de jouer dès à présent. Eh bien, je fais une attaque rapide sur le larbin. Du coup. Le larbin, vas-y, ouais. Finis-moi cette merde. Ouais, c'est un peu ça. Allez, défaites-moi des aspects. 100, il va tomber. j'ai pas de bonus, non, j'ai rien du tout là. Là, non, tu as rien. Ah ouais, touche au torse. Tu n'as pas des 110. Donc tu peux faire tes dégâts. C'est bizarre, c'est 60 que j'ai sans bonus, mais bon. Écoute, il y a des choses mystiques, c'est la dame qui est avec vous. Je sais. Tu l'achèves, il était déjà grièvement blessé. Tu le plantes et il râle et visiblement il t'injure en orse, mais ça te passe au-dessus de la tête. Ok. Ça mettrait fin à ton action, je te laisse te déplacer de une ou deux cases si tu le souhaites. Vite fait. Je me mets là. On commence à descendre parce que bon. Je vais faire jouer Grégoire et son mercenaire à présent. Bon ben de toute façon vu que le but c'est de les retenir jusqu'au moment où ces deux-là ils finissent de descendre, ben on va comme lui il a fait ses attaques à outrance, il est sans défense donc on va la sauver. Enfin. Bon et c'est. Je l'ai pas vu, excuse-moi. C'est le champion ou non, le cavalier. Le cavalier. Donc tu fais une attaque rapide sur le cavalier, vas-y. Allez, massage le cavalier. Cette fois, ça va masser. Elle a une croix. Ouh, joli. Donc, une progression possible. Et tu le touches dans la jambe, il va tenter une parade. T'as fait un coup spécial, sa parade sera à moins 30. Maraudeur, bouclier. Parade. De toute façon. Oui. Dans tous les cas, il rate complètement. Et j'ai mis plus 20 au lieu de moins 20, mais il a fait 98, donc il rate. Tu me fais tes dégâts, tu as fait 8. 8 dans la jambe, c'est parti. Tu lui mets un sacré coup, mais c'est pas assez pour le désarçonner ni le déstabiliser. Visiblement, il en a vu d'autres, le garçon. Il te reste une attaque, Grégoire. Oui, de toute façon, il le ferait tout à l'heure, le ZCC. Allez, fais-toi. Ah, malheureusement, le deuxième coup est un échec. On peut pas inverser. Et ta progression est un échec également, malheureusement. Bon, puis. C'est à ton mercenaire, Grégoire. Au fond, c'est plus prioritaire de le tuer, donc il va faire comme moi, et bon, il va lui couper la jambe, les bras, puis la tête. Vas-y, fais son attaque rapide, deux attaques. Sur le champion, ah non, sur le cavalier, t'as dit, il a fini sa parade, donc il peut plus parer ce tour-là. Ouh, joli, fait tes dégâts direct. Est-ce qu'il fait une progression aussi? Non, il n'y a pas de ça pour lui. Eh, malheureusement, malgré une frappe pertinente, le Norse ne perd pas beaucoup de points de vie. Par contre, je vais juste faire un petit test d'équitation. Et il arrive à rester sur sa monture. Une deuxième attaque pour ton mercenaire. C'est bon. Elle est passée, alors refais tes dégâts. Ouh, ça c'est un peu mieux. Ah, mais évidemment, 94, ça doit être la jambe. Donc ça fait. Hop. Il est grièvement blessé par ce deuxième coup. On va refaire un test d'équitation. Bon, cette fois il le rate, il tombe au sol, sa monture s'enfuit, il est à terre. Bon, parce que sa monture roule sur le chaman au passage. Sur un 100, oui. 100. J'ai cru. Non, la monture disparaît dans la nuit de la ville enflammée. C'est à Hans si tu veux faire quelque chose. Moi, je me peins. Alors, je me tourne vite fait vers Marion. Je lui dis retenez le gueux. On arrive dans peu de temps. Et je pense très fort pour la dame. J'ai une petite pensée rapide pour papa. Et je fonce, je crie pour la dame. Et je fonce sur le chaman. Ah bah voilà, ça c'est un plan intelligent. Oula, t'as beaucoup de choses à esquiver sur le chaman là. Pas tellement. Il était mort. Et Attends, regarde le chemin que je fais, je peux passer toujours par là. Ouais, tu peux. Après. Alors là, ça te ferait monter un petit peu, tu ferais un petit saut, mais rien de grave, un mètre. Et ouais. Donc 1, 2, 3, ouais, tu peux charger le chaman en te mettant ici si tu veux. Ouais. Vas-y. Et tu fais une attaque avec ton épée à plus 10. Ouais. Ouais, couplé en deux ce truc. Ah, ça fait plaisir que ce soit quelqu'un qui vienne au contact. Chaman là, vas-y, chaman. Allez, tout à l'heure. Mon petit chaman. Ah, super, c'est raté.
Pourquoi tu dis super? Tu rates ton coup. Marion, tu entends les cris, la bataille devant toi. Le prisonnier continue, le paysan continue à tirer sur ta manche. Venez, venez, sire. Mais d'un autre côté, tes amis ont l'air d'être troublés. Je retiens le paysan. Puis attendez un instant, ils arrivent. Il se recroqueville dans un coin, il t'attend. Ah, c'est ça. Le plus simple, ça serait de s'échapper avec lui. Après, de two finger in the nose, quoi. De toute façon, Marion, tu ne viens pas te battre. C'est nous qui tuons ces croûtes-là. Tu entends la voix de Grégoire qui taille dans les ruines, mais ça ne t'intéresse pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Bon, écoutez, moi, je ne veux pas qu'elle se mette en danger. Je vais la protéger. Qu'est-ce que tu fais, Marion? Rien de plus? Pour l'instant, je leur gueule de se replier parce qu'il y a des renforts qui vont finir par arriver. Il n'y a pas eu de corde depuis un moment, ça devrait aller. On l'a je t'autorise encore une action si tu le souhaites. De toute façon. Je reste pour protéger le paysan de ce côté-là. D'accord, tu te remettrais en posture défensive au cas où quelque chose rentrerait dans la rue et tu gardes le terrain, c'est ça? Ouais, c'est l'idée. Tu devrais avancer ton pion pour te mettre à sa hauteur. Tu dis que tu protèges le paysan, ça serait dommage qu'il creve attaqué par un truc que tu ne vois pas arriver. Je sais pas, tu veux qu'il vienne d'où? Mais de droite. On va se diriger maintenant vers un nouveau tour pour vous. Vous voyez avec surprise arriver trois personnages connus. Il s'agit de Pierre, Paulin et Horton. Ils sont les criplés. Portique. En vous voyant, ils brandissent leurs arcs et criblent le chaman de flèches, le transformant en simple porc épic. Avec une facilité déconcertante, Grégoire et le mercenaire poussent le champion dans la plaque d'égout. Et abattent le dernier larbin à côté d'eux, tandis que Jonah et Odéon descendent de la tourelle en toute hâte, poignardant le Norse le cavalier est également mort, étouffé sous le poids de sa monture qui l'avait un peu piétiné avant de partir. Ça se voit que le monsieur était pressé de finir le combat. Non, c'est parce que j'aimerais faire une pause et j'aimerais qu'on passe à l'acte suivant avant qu'on arrête. Donc, je pense que là, vous êtes assez tactiquement, vous êtes frais. Et vous faites des bons jets, donc je pense que ça sert à rien de continuer à lancer les dés. Là, j'ai fait arriver les rangers qui devaient arriver à ce tour-là de toute façon. Donc, je pense que là, vous avez pris le contrôle. Mais effectivement, il y a tout de même cette atmosphère de précipitation qui baigne les lieux et à l'aide du paysan, et si c'est votre choix, n'est-ce pas, vous le suivez jusqu'à une petite ruelle un peu à l'abri où vous vous retrouvez vous autres chevaliers ainsi que Pierre Paulin et Horton, et voilà, donc vous êtes tous à peu près par là. Attendez, je vais révéler un peu la zone. Je glisse au personnage d'Odéon, joli lancé. Merci. Le mercenaire, il rajoute, c'était vraiment facile, n'est-ce pas? C'est bête, j'aurais voulu démembrer lui et balancer la tête et les membres sur les mecs en bas, tu vois, pour les déstabiliser. Alors, je vais vous offrir 100 points d'expérience pour cette première. Pour vous, jeune chevalier, c'est la première fois vraiment que vous êtes confronté à des militaires d'expérience et que beaucoup de choses reposent sur vous. Vous avez triomphé vaillamment. 100 points d'expérience à dépenser quand vous le souhaitez. C'est bien. On va faire une petite pause. Qu'est-ce qu'il y a? 100 points d'expérience? Fin de la On part. A 100 points d'XP, ouais. On a gagné 100 points d'XP, là? Ouais. Vous gagnez tous 100 points d'expérience, vous gagnez tous 1 point de chance, vous perdez tous la bénédiction de la dame, car le combat est terminé. Vous êtes à l'abri. Je vais prendre une pause d'une dizaine de minutes pendant que je prépare la map suivante. Je vous laisse discuter entre vous aussi si vous voulez envisager certaines choses. Voyance qui mange au combat. Les points d'expérience, on peut en faire quoi là quand on a déjà tout rempli là? Compétences. Les garder de côté. Tu peux les garder de côté ou tu peux acheter des talents de carrière, des compétences de carrière. Faut mieux les garder de côté pour passer à sa nouvelle carrière, c'est ça? Ouais, vaut mieux, ouais. Ça peut être une idée.
De toute façon. Bon, allez, fin de la partie 4.